Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse vidéo Suivez-moi en STAPS 3. C'est la fin de la trilogie et là vous allez voir ces versions distancielles. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous retarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et j'ai trop hâte en fait que vous la voyez. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis hyper contente et on se retrouve juste à la fin. Salut tout le monde, nous sommes lundi matin, on commence la semaine de bonne humeur puisque je vais filmer tout ce que je vais faire, donc je suis trop contente. J'ai cours de 8h à midi, donc comme nous sommes en distanciel, je me lève entre 7h30 et 7h45, donc là je me suis levée à 7h30 pour avoir le temps de filmer, etc. Du coup là on va petit déjeuner et des fois ce que je fais c'est que je mange pendant le cours si je suis trop en retard et tout. Donc il est 8h tout pile, voici comment ça se passe les cours, donc c'est en salle virtuelle, du coup il faut se connecter. Ok, donc je vais vous expliquer le cours que j'ai actuellement. Il s'appelle Construction et analyse de situation d'apprentissage. Le principe, c'est que en amont, on reçoit un contexte d'établissement avec un contexte de classe que nous devons prendre en compte pour réaliser une leçon d'un sport donné. Par exemple, ici, c'était pour la course d'orientation. Donc, on doit passer à l'oral pendant 10 minutes. Ok, donc il est midi moins le quart, j'ai terminé. Je vais préparer mes affaires parce que on va rentrer à Strasbourg. Parce que du coup, là, je suis actuellement chez mes parents, je suis pas à Strasbourg dans ma chambre universitaire et on va se préparer parce que là je suis encore en pyjama. Ça c'est bien aussi quand tu fais les cours à distance, t'es en pyjama. Ah oui, et est-ce que on peut en parler de ça? C'est les cheveux lisses. Je sais pas si vous avez remarqué. Des fois ce que je reçois comme question quand je présente le room tour c'est: mais Olivia, où est-ce que tu fais tes linges? Et bah je le fais quand je rentre le week-end chez mes parents du coup. Mais dans certaines résidences universitaires il y a une buanderie qui est intégrée. Bien sûr elle reste payante. Sinon bien sûr il y a aussi l'option buanderie publique ouverte 7 jours sur 7. Mais voilà. Est-ce que vous êtes team je roule comme ça pour gagner de la place? Vous êtes team je plie? Dites-moi en commentaire. En fait c'est dommage parce qu'avant sur YouTube on pouvait faire des sondages, on peut plus en faire je crois. Je dirais vraiment que je suis chaude. C'est bon, on est chez moi. Donc là la première chose que je fais quand je rentre c'est tout simplement ranger mon sac, ranger mes affaires. J'en profite aussi pour ramener 2-3 trucs à manger pour remplir mon frigo. Alors j'ai pris un petit goûter, maintenant je vais me remettre au travail. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui j'ai eu cours de 8h à midi. Et normalement il y a un cours de prévu ou de 14 à 16. C'est pas une classe virtuelle, donc c'est pas en direct, c'est un cours enregistré, enfin que le prof a enregistré. Du coup c'est une vidéo qui est disponible mais je vais pas l'écouter tout de suite parce que demain j'ai un TD à préparer. Donc d'abord je prépare le TD. Hello tout le monde! Désolée de vous affliger ma tête tous les matins, mais bon, c'est un peu le but de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, je pense que ça va être une bonne journée parce qu'elle va être chargée. Du coup, là, je me suis réveillée un peu plus tôt. D'habitude, je vous ai dit que je me levais à 7h30, 7h45, mais là, je me suis levée à 7h10 pour avoir le temps un peu de terminer mon TD. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le principe du TD quand j'aurai le TD, quoi, en voix off. Alors, aujourd'hui, sinon, le programme, du coup, attends, il y a mon rideau. C'est cours de 8h à midi, donc en visio. 2 TD. 8h et jusqu'à midi du coup. Et après j'ai pratique sportive, donc danse de 14h à 16h et après de 16h à 18h j'ai un cours encore en visio. Ok, donc là j'ai un peu travaillé, j'ai un peu avancé, donc là il est 8h. Du coup je vais me connecter, j'enlève bien sûr mon micro et ma caméra. Pour ce TD, nous avons une liste d'articles que nous devons lire en amont pour préparer une thématique. Puis le jour du TD, on tombe sur une question et pendant 30 minutes, on doit préparer notre réponse à cette question. Et ensuite, nous sommes interrogés pour passer à l'oral et présenter notre préparation durant 10 minutes. Ok, donc là il est midi, j'ai terminé les cours de la matinée, donc maintenant je vais chercher à manger au restaurant universitaire, donc le RU, donc c'est le Crous. Bon là je vais du coup en pratique danse, du coup je vais sur le campus et je vais en profiter pour aller à la bibliothèque pour retourner des livres et en emprunter d'autres. Donc là, je rentrais direct de la danse et cash, je devais me connecter parce que j'étais en retard. Là, il est 17 h, du coup, je vais aller à la douche. Du coup, il est temps de retrouver les petites curly. Oh, j'essaye de faire une transition. Attendez, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je pourrais faire si je fais ça? Bon, du coup, la transition n'a pas marché parce que avant d'aller à la douche, bah, je vais faire du sport en fait. Par rapport aux pratiques, en STAPS, là, avec le Covid, on a pratique une fois toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire que cette semaine, j'ai danse le mardi, et mercredi, j'ai athlé, et la semaine prochaine, j'ai nothing. En fait, j'ai plein de petits trucs à faire, ça me saoule. Hello, donc j'ai pas fait la transition pour les cheveux bouclés. Du coup aujourd'hui on est mercredi, ce matin j'ai cours de 8 h à midi, de 10 h à midi j'ai athlé. Là je vais en athlé, du coup j'ai quitté le cours avant qu'il se termine pour avoir le temps d'y aller. J'ai l'évaluation javelot. Il y en a beaucoup qui me demandent si c'est difficile et tout la pratique. C'est pas que c'est difficile, mais c'est que les barèmes ils sont durs. Du coup il faut tout donner pour avoir la moyenne. Donc voilà, mais en fait ça dépend vraiment des sports parce que tout ce qui est sport collectif et tout ça va. Mais après bon ça dépend aussi des facs donc, et des profs comment ils notent. Mais voilà, du coup je m'attends pas à avoir une bonne note mais bon c'est vrai. Donc voilà, je rentre de l'athlé, du coup direct sur le chemin, je prends une rue à emporter et je rentre à la maison. Alors du coup là j'ai fini de manger, j'ai pris ma douche, je vais un peu travailler, on ira aussi à la laverie. Du coup là ce que je fais c'est que je continue l'échauffement que je dois faire pour mon stage. En attendant que le linge se lave, je vais chercher une pizza aux rues. Mais avant ça, je suis retournée chez moi et là je repars. Du coup, je fais plein d'allers-retours. Heureusement qu'il fait beau donc ça va. Avant de manger, à 19 h, on doit se connecter sur un lien pour poser des questions aux profs parce qu'en gros, ils nous envoient d'abord le CM en diapo donc qu'on doit lire, etc. Et une fois qu'on l'a lu, eh bien, ils nous donnent un lien où on doit se connecter pour poser les questions. Donc en général, c'est une semaine après, 2 semaines après. Mais est-ce qu'on peut en parler de cette cerne? Aujourd'hui nous sommes jeudi, donc bientôt la fin de la semaine. On se retrouve directement sur mon bureau parce que je me suis réveillée à 7 h. J'ai cours à 10 h, mais il faut que je fasse une introduction de dissertation et un plan détaillé pour le TD de 10 h. Du coup là je vais vous lire mon sujet de dissertation. En quoi et comment l'enseignant d'EPS peut favoriser les apprentissages des élèves en leur donnant envie d'apprendre. Donc ça paraît simple, hein, mais c'est... Et cet après-midi, je vais faire des photos avec un pote et je vais travailler. Mais sinon, il y a Olivia qui voudrait la proposer. Ah bah super Olivia, elle est où Olivia? You are now on mute. Je suis là. On t'écoute. Ok, c'est parti. Alors là nous sommes vendredi, désolée hier j'ai pas du tout filmé l'après-midi donc en gros j'ai fait les courses, j'ai cherché à manger aux rues. Finalement mes journées elles sont très répétitives quoi, et le soir je travaille, après je dors donc rien de fou. Donc aujourd'hui j'avais cours de 8 h à 10 h, de 10 h à midi j'ai travaillé et maintenant je vais chercher à manger aux rues, ensuite je reviens et après je vais partir du coup à mon stage et ensuite ma semaine sera terminée. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu, en commentant tout ce que vous voulez, posez-moi des questions, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram et voilà, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. J'espère que ce petit format de vidéo vous a plu autant que moi, chaque année, enfin c'est comme un souvenir quoi, donc j'adore. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant passez une bonne journée ou une bonne soirée comme vous voulez, bisous.